L'essentiel du bassin avec une victoire qui fait du bien, Anto. Hein. C'était important de gagner ce match contre Marc-en-Barœul. Oui, c'était important, même si on n'avait pas... Il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu, mais c'était avant les barrages qui... C'est pour la confiance. Avant les barrages pour l'accession à National 2, il fallait automatiquement passer par une performance parce que ce n'était pas en claquant des doigts qu'on passait des matchs mauvais qu'on a pu faire à viser une qualif et faire une montée. Donc c'était important de faire un bon match. Il y a eu des moments compliqués, mais les joueurs ont persévéré et... C'était un match serré parce que c'était pas gagné à la fin de la première mi-temps. Hein. Non, parce que on est sorti du cadre qui était demandé, puis on est tombé sur une équipe qui, elle, je crois, jouait une place pour leur phase finale, donc pour les barrages. Donc, c'était un match bien engagé. C'était bien engagé et on voit que quand on est commencé à respecter, à conserver les ballons et à moins faire de fautes, et bien, on a donné moins de munitions et on s'est régalé. Je pense qu'on a fait plaisir à beaucoup de monde sur la deuxième mi-temps. C'est clair, vous avez fait plaisir au public, c'est de bon augure aussi pour les barrages qui arrivent maintenant. Oui, enfin, bon augure. Nous, on est capable du meilleur comme du très bon, comme on a l'habitude. Mais c'est bien d'avoir une victoire c'est pour le capital confiance. Hein. Il y avait beaucoup de défaites quand même. Voilà, il y avait une série qu'il fallait enrayer. Une série un peu compliquée. Après, il faut remettre les choses dans le contexte. D'un, on n'a pas été très bon. Et puis, on a eu des soucis d'effectifs. Il a fallu aussi faire avec ça. Donc, c'est le lot de toutes les équipes. Il y en a qui sont mieux lotis que nous. Donc voilà, avant les barrages, c'est intéressant. Mais il ne faut pas croire parce qu'on a fait une performance ici qu'on le fera dans 15 jours. Ça se fait pas comme ça. Il va falloir bosser encore pendant 15 jours et 3 semaines même. Ouais, mais en attendant, là, on va savourer le plaisir juste. Ouais, ouais bien sûr. Mais les joueurs, là, avec il y a un week-end de libre la semaine prochaine. Donc, il y a une troisième mi-temps qui arrive là. Oui. Mais après, c'est aussi ce qui fait la force d'une équipe. C'est qu'on arrive aussi dans les bons et les mauvaises périodes à se resserrer. C'est ce qu'on a ressenti. Il y a eu quand même beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité dans l'équipe. On a vu une équipe de guerriers, quoi. Ouais, mais même, on a une équipe de guerriers. Mais après, je suis pas certain que durant la saison, il y a un match où il manquait l'envie. C'est qu'à un moment donné, il y a des faits de jeu, il y a des faits qui font qu'on tombe. Mais je suis pas sûr que les joueurs commencent un match sans avoir envie. Donc, c'est clair. Et alors là, c'est quoi? C'est le petit qui arrive? Allez, justement... Fils de bûche, en plus c'est une marque d'un joueur que vous connaissez bien ici. Oui, c'est une marque de l'asso qui est là depuis, à mon avis, 5-6 ans maintenant, voire peut-être un peu plus. Ouais. D'accord. Juste pour finir, cet esprit guerrier que vous avez réussi à insuffler, il va falloir aujourd'hui le faire perdurer, parce que c'est vrai que là, les barrages arrivent, il y a quand même un enjeu énorme avec la Nationale 2, comment vous allez vous y préparer? Mais après, le côté guerrier, je pense que c'est le minimum quand on joue au rugby. Donc, ce côté-là, ça se cultive et tout ça. Mais après, il y a eu des matchs où vous êtes passé à travers quand même. Comme je vous disais, il y a eu des matchs, mais ce n'est pas la question d'être guerrier. Je pense qu'il y a une question de constance et également aussi de. Et d'envie. C'est pas d'envie, c'est vouloir se faire mal. C'est différent. C'est différent. Mais bon, après. On est tous dans le même bateau. Donc, que ce soit, il n'y a pas. Que les joueurs. En tout cas, bravo et profitez là maintenant. Ouais, on va profiter, mais bon, on en profitera plus dans 3 semaines, j'espère. On espère tout ça. Voilà. Et on encourage tout le public à venir le 24. Hein. Oui, parce que les espoirs sont qualifiés. Donc, aussi. J'ai cru comprendre que ouais, c'est carton plein jour ici. C'est ça. Donc voilà, en espérant que les réfractaires qui n'ont pas l'habitude de venir trop au stade se bougeront pour venir. Ah, il va y avoir du monde. Et se feront un peu plus de bruit, peu importe le résultat. Merci beaucoup. Oui.